Oh ! Bravo, maintenant excuse-moi, faut que je gerbe. J'ai pas mal de problèmes en ce moment et vous cogner dessus est l'un d'eux. Pas de bol, mon gars. Pour des CM1, vous êtes du genre bagarreur. Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. D'accord, à mon tour. Il est temps de bouger. Ouais, je m'y attendais. Le moustique a flairé le sort. Le problème, c'est que là, je suis... un peu dans la merde. C'était vraiment dégueu, mec. Est-ce que je peux le finir? Bon, qui sera le suivant, ah, à part droit, ça va faire mal. Ouf, quoi, tu vas pleurer, CM1? La situation tourne en... Bah alors t'es mort. Hourra, gâteau, citron pour tout le monde. J'ai les mecs. Alors Cartman, sa maison, elle est verte, c'est celle-ci. Comme ça, j'ai peut-être débloqué un pouvoir et tout, tu vois. Faut qu'on avance un peu. Nick. Ta mère. Ok. Ah, le nouveau. Assieds-toi. Je m'assois. Bien, alors. Comment ça se passe sur le terrain? Bien parlé. Bon, alors écoute, je pense que tu as du potentiel. Et ben, je vais te nommer acolyte ou un truc du genre. Félicitations. Je voulais juste te parler un peu de ton perso super-héroïque. Comment dire, ton perso est pourri, pour être franc. Et je crois que je vais te laisser choisir une seconde classe. Voyons quelle aptitude te conviendrait. Ah, alors, je peux avoir deux de compétences que tu as ajouté à ton arsenal. Ah ouais, attendez. Je peux être brutaliste, exploseur, élémentaliste, cyborg. Télépathe. Brutaliste. Et brutaliste, les mecs, c'est un peu Superman. Un brutaliste comme The Thing ou comme un Batman super vénère? Comme un quoi, il a dit? Batman et qui? Merde, j'ai pas entendu. Un exploseur. D'où il y a un grand moment pour toi, tu vois. Ah, un élémentaliste comme Tornade et Capitaine Planète, peut-être. Cyborg, c'est une machine plus qu'un homme. Un télépathe comme le professeur X. Pas entendu. Redis. Voilà, je prends ça. Ok, je pense que ces deux-là pourraient bien matcher. Mais maintenant, il va falloir changer aussi tes origines. Alors, revenons à cette nuit. Ah, ben, il recommence avec ça. Il recommence avec ma... Cette nuit-là, donc, tu n'arrives pas à dormir. Et si tu ne trouves pas le sommeil, c'est parce que tu veux faire du monde un endroit plus sûr. Tu t'approches du miroir. Il va me refaire le truc avec mes parents, là. Pour la peine, je vais le faire chier. Ah, il me dit, il me parle plus, Cartman. Parle-moi. Bon, il me parle plus, les mecs. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes si on t'aimera un jour. Et puis, tu entends un bruit, les pleurs d'un bébé. Oh non, j'ai un petit frère. Là, dans le couloir, tu vois deux mecs s'en prendre à un bébé sans défense, à même le sol. Tu veux les empêcher de faire du mal à ce bébé, hein? Tu sais que tu peux les arrêter et tu as donc recours à ton tout nouveau pouvoir. Alors, en fait, à chaque fois, c'est un tuto pouvoir, quoi. Tu fais craquer tes doigts, prêt à te battre. Tu fais ravaler à l'intrus ses moqueries avec un rapide pain brutal. Voilà, j'aime bien quand tu fight comme ça, là. Bon sang, t'es quoi, une espèce de super-héros? Il riposte mollement. Il est dans les cordes. Mais deux autres malfaisants arrivent par derrière. Tu te retournes pour affronter tes nouveaux ennemis. Pam 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 pam. Marche pas? Charge, c'est bon à rien. Ah, faut que je sois là. Ton inertie de boule de démolition envoie l'un valser sur l'eau. Je vais m'occuper du gamin, frère malfaisant. Le premier intrus revient dans la mêlée et te cogne pour t'amener là où il voulait. T'es juste là où on voulait, gamin. Arrêtez. Tu vas faire quoi maintenant, super-héros?
Mais c'est toi qui les as eus, en envoyant un coup venu du fond de tes tripes. Oh, le coup de fou, le coup AOE. Mais s'il y a des AOE, c'est trop fort. Ah ouais. Putain, c'est dégueu. J'aime les AOE. J'en peux plus. C'est mieux en français, les mecs, en vrai. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre plus facilement. Ses compagnons se sont enfuis, mais le plus gros et le plus moche des intrus approche. Et il t'envoie ses poings dans le buffet. Mais chaque coup révèle ton être profond. OMG. Un truc totalement brutal. Attention mon ulti. Eh ouais, putain trop cool. Voilà. Et tu leur fais mordre la poussière. Tu prends le bébé dans tes bras pour le mettre à l'abri et c'est là que l'impensable. Et tu vois tes parents faire l'amour encore une fois. Tu vois ton père baiser ta mère. Et depuis ce jour, tu dois vivre avec l'idée que, trop occupé à sauver un bébé en détresse, tu n'as pas pu empêcher ta mère de se faire baiser par ton père. C'est dur à accepter ça, putain. Je suis vraiment navré. Je sais, tu as sûrement envie de savoir pourquoi. Pourquoi ton père a sauté ta mère, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Insupportable. Le coup des savants d'alerte. Sérieux les gars, il y a une alerte là. C'est une alerte du coup des savants. Ici le coup, qu'est-ce qui se passe? C'est les potes de la liberté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rendez-vous dans la rue principale, vite. On arrive, Koon. Terminé. Eh bien, le nouveau, je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs. Suis-moi. Let's go. Ok. Voir. Tu disposes de 4 emplacements où attribuer tes pouvoirs. 10, sélectionner. Ok. Moi, j'aime bien... Ça, c'est bien pour rejouer en vrai. Mmh. 112, ça fait 112. Et lui, c'est combien? 126. Mais lui, il pousse. Il y a des dégâts de poussage, donc c'est mieux. Donc je vais garder ça. Ensuite, il y a quoi? Point quantique, c'est quand je peux taper d'une case sur le côté. Oh, mais là-haut, c'est trop fort. Les atomes... Attends, il y a marqué quoi? Les atomes du héros résonnent au double de leur vitesse normale, accordant deux actions ce tour-ci. Sur la première loi... Ça, c'est... Sur la première loi de la thermodynamique, saute le tour suivant. Ah, mais tu joues... Ah, ok, tu joues deux fois, mais en fait, tu joues... Ah, d'accord. C'est pour ça que des fois, je comprenais pas... Je vais l'enlever, ça, du coup. Déjà, l'AOE, déjà, c'est trop fort. Déjà, il me faut l'AOE. C'est beaucoup trop fort. Ensuite, prendre ça. Et voilà. Hein. 43. C'est dur de faire des sorts quand même, de faire un truc potable. Je fais carré, je fais ça. Quand je suis au corps à corps, c'est pas mal aussi. Hein. Je fais ça et je laisse comme ça. Allez, je vais laisser comme ça. Ok. On changera plus tard au pire. Allez go. Pas de temps à perdre, gros duc. Par ici, gros duc, par l'arrêt de bus, c'est le plus court chemin. Mon sens de cool me titille. Les potes de la liberté sont en route. Un affrontement se prépare. Ouais, continue. Vers l'arrêt de bus. Ah, ces missions d'escorte, c'est vraiment les pires. J'avoue que les missions d'escorte dans les MMORPG, dans les jeux en général, les missions d'escorte, c'est les pires missions. Je déteste ça. Si près.
Va vers la rue principale, Trouduc. Et tiens-toi prêt à te battre. Oui, continue un peu. On était censé travailler en binôme, je te rappelle, Twig. Ouais, je me rappelle. Alors quand j'ai quitté le coup de sa bande, t'aurais dû m'accompagner. Il y a Mysterio. Parce que t'avais tes propres films. Bon Dieu, te voilà enfin. Il s'envoie vraiment sur la tronche. Il fallait que Super Craig sorte ses films avant de lancer Wonder Twig. Sinon, c'était pas logique. C'est tout. Ah, Wonder Twig, c'est Wonder Woman, ok. Tu es un traître, Twig, et tu as rejoint un groupe de super traîtres. C'est vous qui avez commencé. Tout votre petit monde qui pensait qu'un traitement préférentiel serait réservé à certains héros. C'est pas nous qui avons déserté cette foutue franchise, Mysterio. Eric, il faut que tu m'écoutes. Je suis en train de te parler par lien télépathique. Sors de ma tête, Timmy. Votre franchise n'aboutira pas. Rends-toi à l'évidence, Eric. Vous êtes tous des demeurés. Timmy ! Des demeurés, dans ma tête. Ah ouais ? Ok, espèce de fils de pute. Timmy ! Enfoiré ! Les mecs, occupez-vous de ces enflures ! Moi, j'aime bien Mysterion, moi. Mode de combat enclenché. Je vais pas me retenir. Alors attends. Calme-toi, mec. C'est le pouce d'un cran, ça m'arrange. Comme ça, on va focus Mysterion. Ou est-ce que. Ouais, je focus Mysterion. Ça fait du bien. Tout le monde. Et je vais péter entre les deux. Je peux pas. Je suis WTF, champion de la justice. Quoi? C'est gay. Hein? Une seconde, je suis perdu. Là, c'est l'air fort. Je vous avoue que là, si je dois choisir, je me mets avec Mysterion. Tu as croisé le chemin du mauvais CM1 immortel aujourd'hui. Eh ben dans le genre ténébreux. Voiture. Tu veux mourir? Non, Paris Mystère aurait Mysterion. Civil, bouffon. Phew, c'est réglé. La voie est libre. C'est parti. C'est parti. Méga coup de poing. Calcul de vecteur HP, séquence d'attaque entamée. Ah, il se téléporte. Tu vas pouvoir compter tes sutures. Le problème c'est que si je focus que des gens différents, c'est pas, ça va pas le faire. Donc on va focus Mysterion. On dirait que t'as des bestioles sur la calandre. La prochaine fois, ferme la bouche. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Mec, tu te lâches trop là. Ruezika. Voilà. Je vais redresser les torts et triompher du mal. C'est-à-dire de toi. Alors, le problème là, c'est que je peux pas faire grand chose. Là, si je veux faire ça. Ça. L'excitation monte. Tu peux te finir ou pas toi, Token là? Méga coup de poing. Non, j'ai pas fini Token malheureusement. Tu perds ouais, pressure garantie. Tu perds tornade enclenchée. Hein? Ça va peut-être t'apprendre. Prêt à laminer l'ennemi à la à la vitesse du saut. Allez, meurs! Faut même pas être bougie à la citronnelle pour te sauver! Figure! Yeah. Et boum! C'est trop bien! Le vol de vie de oui, Moustique, c'est trop bien! Quelle surprise! Ultime prêt! Approche. Nul! Non, c'est toi le nul! T'es le plus nul de toute l'histoire de la nullerie! Tu vois? C'est chiant qu'on puisse pas. Du coup, je suis un peu baisé, je peux pas. Oh, je peux enfin y aller, merci. Alors, je pense que Craig, il a le pire ulti. Avec son hamster là. Et voilà. Travaille le nouveau, tu commences à te débrouiller. Eh, hey, attends, et le Kun alors? Oh merde, venez! Coute, qu'est-ce qui s'est passé? Timmy s'est échappé? Il m'a complètement retourné la tête! Tu te sens bien? Non, sérieux, les mecs, il m'a totalement bousillé le cerveau! Ah, je l'ai attrapé, le combat s'est engagé, mais ses pouvoirs mentaux étaient trop puissants! Alors on a fait tout ça pour rien? Pas tout à fait! J'ai le téléphone portable de Timmy!
Ah ouais? On y trouvera forcément un indice. Rapportons-le à la base. Super Craig pour l'analyser. Ouais! Allô, c'est bien le petit super-héros qui a tous ses followers sur Instagram? Tu es convoqué à la mairie. Le maire de South Park veut te parler. Ne la fais pas attendre. D'accord. Je suis le plus rapide de la ville. Bah let's go hein. Comment? Attends, ah y'a pas de truc à la mairie comme par hasard. Comme par hasard y'a pas de TP à la mairie. Et bon on va y aller à pied. Mais il y a une vitre là-haut. Mais je peux rien y faire hein, encore une fois. Il me faut le pouvoir du je pense qu'il y a un pouvoir pour s'envoler avec le cerf-volant. Vas-y go. Annulez tous mes rendez-vous du jour. Vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui, madame. C'est bien de voir que des jeunes s'intéressent à la politique locale. Mais vous m'avez convoqué. Bonjour. Je suis le maire de South Park. Tu dois trouver ça impressionnant d'être ici. Ma cour est vide. Bon, très bien, écoute. Tu peux peut-être m'aider. Cette nouvelle vague de criminalité n'est pas une coïncidence. Un groupe ou quelqu'un veut me faire perdre la face. Plus la criminalité augmentera, plus on demandera ma tête. Celui qui est derrière tout ça veut que je sois remplacé. J'ai besoin de gens comme toi. S'il te plaît, découvre qui est derrière cette vague de criminalité. Ma vie politique dépend de toi. Ok, ma petite dame. J'ai entendu dire que des chats disparaissent, madame. Est-ce que les chats votent? Non. Donc ça m'intéresse pas. Ah bah alors, madame, on a des yaoi dans son bureau? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez. On va prendre nos téléporteurs, enfin le flash express. Je suis le plus rapide de la ville. Alors, on va faire quoi? On va aller là. A plus de nouveau. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très... Et je vais te fumer. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très... Je vais te fumer. Là, c'est Cartman. Je vais chez Cartman, là? Nick, ta mère. Ah, te voilà, Trouduc. Qu'est-ce que t'as trouvé, Super Craig? Le téléphone de Timmy contient un tas de notes à propos d'une fille qui a des infos sur toutes les activités criminelles de la ville. Quelle fille? Ça dit juste, trouver la fille avec le tatouage de bite. Quelle fille en ville porte un tatouage de bite? Je sais pas, Moustique. Mais les potes de la Liberté doivent penser qu'elle est la clé pour retrouver ce chat. Si les potes de la Liberté la trouvent avant nous, c'est eux qui toucheront la récompense. On peut pas laisser faire ça, les mecs. Il faut empêcher les potes de la Liberté d'avoir une franchise, coûte que coûte. Alors il faut qu'on trouve la fille au tatouage ce soir. Quickie a raison. Nous devons tous faire le mur ce soir pour passer la ville au peigne fin. Qu'est-ce que t'en dis, le nouveau? T'es de la partie? Eh, si tu veux rejoindre le coude et sa bande, va falloir apprendre à communiquer. Carrément. Qu'est-ce qu'il faut avec nous, d'abord? Lâchez-le, les gars. Il a eu une enfance difficile. À l'âge de 6 ans, son père a baisé sa mère. Quoi? Je suis désolé, mais il est temps de leur apprendre tes douloureuses origines. Trouduc ne fait confiance à personne parce que son père a baisé sa mère et il a rien pu faire pour empêcher ça. Mais c'est absurde! Je sais. Comment la personne en qui on a confiance peut faire ça à la personne qu'on aime? Cartman, les pères baisent les mères, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça que ça marche, grosse nouille. Nos pères baisent nos mères. Ah, d'accord. Alors ça voudrait dire que ton père a baisé ta mère, Kyle, c'est ça? Oui, mon père a baisé ma mère, c'est pour ça que je suis là.
Ne copie pas ses origines, mec. C'est pas cool. Mais t'es un vrai débile mental. Chaque être humain sur Terre a eu un père qui a baisé sa mère et... C'est bon, c'est bon. C'est pas important pour le moment. Il faut qu'on trouve la femme au tatouage de bite. Ouais, rentrons pour nous... Et les conversations South Park, c'est vraiment... Allons-y, les amis du Coon. Mais quel abruti. C'est bon, respire. Je crois que tu devras affronter ce genre de sectarisme toute ta vie, Trouduc. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils s'en prennent aux autres. Ce soir, tu pourras être l'acolyte d'un des amis du Coon. Rentre chez toi et fais le mur quand tes parents dormiront. Je te ferai un topo plus tard. Tu vois le costume. OMG, Superman. Ok. Qu'est-ce qui te prend de parler au conseiller pédagogique? Pourquoi t'as décroché? Mais t'as perdu la tête ou quoi? Notre enfant a ressenti le besoin d'aller voir le conseiller pédagogique, ça ne te fait rien? Alors, tu lui as dit la vérité? Non, on n'a pas parlé de ça du tout. Mal gaulé! Tu vas tout faire foirer! Je n'ai pas de reproche à subir de la part d'un fumeur d'herbe! Il me faut un verre. C'est ça! Noie tes problèmes dans le pinard, vieux boudin! Oh, coucou, toi! Tu as passé une bonne journée? Je suis crevé! Je vais me coucher. Le dîner est sur la table si tu en veux. Mais ensuite, direct au lit, d'accord? Drogué! Sac à vin! Ok, ok, tout va bien, tout va bien. Ah, j'ai mangé là? Ah, apparemment mon perso est en déprime, les amis. C'est quoi ce plat de merde là? Ah non, me dis pas que je vais me faire enlever par les aliens encore. Y'a pas moyen de changer la couleur de cette tenue? Attendez. Non, je peux pas changer. Je voulais mettre la même couleur que dans le premier jeu. Mais bon, je peux pas. Boucle Twilight. Peinture de faucon. Cible. Hypersonique. Oh, pas mal. C'est peut-être un nouveau costume pour demain. Bonne nuit. Mon poussin, je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, maman t'aime. Depuis toujours. Bonne nuit, mon cœur. Minuit, l'heure du crime. C'est là que les créatures surgissent. Malheureusement pour les créatures, autre chose surgit aussi la nuit. C'est le Coon. Ah. Et transformation. Bon, changeons cette tenue. Changeons la tenue un peu. Alors, vêtements, on va mettre... C'est pas dingo toutes les tenues en fait, hein. C'est pas trop mon style, tu vois. C'est pas trop mon style. Ouais, c'est même pas du tout mon style, hein. C'est quoi les deux ronds? C'est des couleurs que je peux changer? Ah, d'accord, regardez. Ok.
Magnifique. C'est magnifique tout ça, les amis. Je suis pas très casque et masque, moi. Je suis pas dans ce délire là, tu vois. Oh, la coupe de zinzin. Alors, est-ce que j'ai débloqué un nouvel artefact? Non, toujours pas. Est-ce que le but est de créer chaque élément? Genre de créer ça une fois, etc. Je me demande, tu vois. Genre, est-ce que je dois créer ça une fois? Ah, attends. Peut-être, hein. Je vais créer ça une fois aussi. Ah non, je peux l'écrire plusieurs fois. Je vais en créer un de chaque quand même pour le plaisir. Ok. Ça fait XP en vrai. Ok. Ta fiche de perso suit ta progression tout au long de ton aventure de super-héros. Gagne des titres pour en renseigner ta fiche de perso. Tu ne t'arrêtes d'XP, des coups te gratifiera. Ah, ok. Ok, ok. Allié. Invocation, il n'y a que 4 invocations dans le jeu. Enfin, vivement, je débloque mon P. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on le débloque ce soir. Je peux passer par la fenêtre ou pas? Emplacement majeur. Oh! Ah bah cool, c'est bon, je peux mettre un truc. Alors, j'ai quoi? J'ai que ça? J'ai rien d'autre. Ok. Ok. Ouais, j'ai rien d'autre en fait. Je n'ai pas un, j'ai pas un troisième 60. Non. Ok, bon bah on y va les gars. C'est parti. Attends, il y a un cambriolage chez moi là? Ah, qui est là? C'est qui? Il est des canards en bronze. Ouais, mec, il y a quelqu'un chez moi. Cody te demande comment tu fais pour le bot quand il y a personne qui vient. Sur Wisebot, de base, ça y est de base. Pourquoi? Il me demande ça de où? Ah non, c'est mon père, pas un cambriolage. N'oublie pas de te servir de tes pétards à mèche pour faire exploser des trucs. A plus, mon pote. Pétards à mèche. Non, sortez d'ici. Sortez d'ici. Et c'est quoi, c'est une forteresse pour sortir?
Diabète. Ça sur le live, je suis pas compris. Captain Diabète. Oui, un gentleman aux manières affables maîtrisant le pouvoir du diabète. Avant, ce n'était qu'un simple élève du primaire, mais un jour, un terrible accident scientifique transforma mon diabète en pouvoir surhumain. D'accord, acolyte, on doit enquêter sur une fille qui sait peut-être où elle le s'est perdue. Suis-moi. Ok, je te suis, mec, Captain Diabète. T'es prêt? Allons-y, acolyte. Kyle habite de ce côté. Je suis un peu comme Bruce Banner, un solitaire espérant un jour guérir de mon diabète tout en sachant que je ne serai plus en mesure de combattre le crime. Ok. Salope! Ah. Tu vas déguster! Alors marche, marche. Randy, c'est toi-même qui gratte ta voiture? Ah, ok. Bon, si vous voulez bien me laisser passer, faut que j'achète de la bière. Je suis désolé, mais Capitaine Diabète ne peut pas vous laisser conduire. Je peux conduire, ok? Du balai! Je lui dirai hors live, je lui dirai sur Discord pour les gars. Je vais bien, ok? Je lui enverrai sur Spopovitch. Attends. Je vais bien. Parce que faut que je cherche et tout, donc. Je vous les rendrai demain. Donne-moi ces foutus. Et c'est un truc basique, hein, de Twitch, quoi. Vous croyez que vous pouvez danser avec ça? On va voir. À l'attaque! À l'attaque. J'ai failli tout renverser. Je garde vos clés. Un point, c'est tout. Eh, je crois avoir fait tomber mes clés. Quelqu'un les aurait vues? Je les ai. Wow. Comment je suis arrivé ici? Arrête-le, acolyte. T'inquiète pas. Ça va faire mal quand je sentirai de nouveau la douleur. Regardez après. Ah bah je vous montrerai après sur Discord. Je peux pas là. Ah, je suis foutu. Donne-moi. Je montrerai à la fin de mon live. J'ai peur que ce soit impossible. Aïe. Donne-moi mes putains de clés. Pam 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 pam. Montre-leur ce que nous valons, acolyte. Ah, c'est ça. Emmerde le mec qui est à la fin de mon live. Personne ne peut battre Capitaine Diabète et son fidèle acolyte. Ah, il y a un. Ok. Il a une petite AOE. J'ai besoin de mes putains de clés pour aller acheter de la bière, petit bâtard. C'est justement le problème, monsieur. Foutaise. Allez, acolyte, écrase-les. Boum. Je peux encaisser. Prends-en de la graine, acolyte. Montez vite. Je vais aller piquer un petit roupillon. Et voilà, il est fort lui aussi qui a tête diabète là. Bonne nuit, monsieur Marc. Parararam. Allez, acolyte, on a une mission à accomplir. Vas-y, y a un raccourci par la base de l'homme cerf-volant. Kyle est sur une autre mission pour l'instant. On doit se débrouiller seul, acolyte. C'est à nous de faire la lumière sur cette affaire. Mmh. Le raccourci est en haut dans le grenier. Le coup nous a autorisé à l'utiliser. Des fois, quand c'est trop de sucre dans le sang, je deviens super fort et... Bien joué, acolyte. Allons-y. C'est la base secrète de l'homme cerf-volant. L'épée, ça me met en colère. Le Kun dit que c'est parce que ma mère a pété quand je suis né et que c'est pour ça que j'ai le diabète. Le raccourci est derrière cette fenêtre. Je n'ai pas de base secrète, mais s'ils en avaient une, je rentrerai avant de faire venir des super invités. Il a même pas préparé des selles pour nous. Bon sang. Bien joué, acolyte. Ce raccourci va nous amener directement au cœur de On va fouiller avant. Allez, acolyte, arrête de flipper. Ok, je crois qu'on va débloquer le pouvoir, les mecs, les trucs qui tournent, là, les petits moulins là, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. L'intrépide héros. Quoi que non, hein. S'enfonce dans la nuit noire, prêt à pourfendre le mal et à rétablir la paix. Tu crois quand même pas que les gens attrapent le diabète parce que leur mère a pété lors de l'accouchement, hein? Je crois que le Kun a tout inventé pour faire douter Capitaine Diabète. Comme tu peux le constater, acolyte. La nuit, South Park est un endroit bien différent.
Il faut aller au Peppermint Tipo. Direction la Grand Place. Oh. D'accord, il y a que des... Il y a que des déchets la nuit, quoi. Que des déchets qui boit. Non, j'ai pas tapé la dame. Je la tape. C'est bon, j'ai tapé. County assure le meilleur groupe du monde. Ils pourraient m'avoir s'ils voulaient. Ils m'ont. Freebird. Rien à battre. Allez, je me lâche. Je fais dans mon ben. Ma fureur du diabète fera l'affaire. Oh la vache, je la sens monter. Tout ce sucre. Ah, c'est peut-être ce pouvoir-là que je vais avoir. Trop fort en fait, trop fort lui. Ouais. On y est. Oula, on est où là? C'est là qu'on va trouver la fille. Girls, 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 manivelle, non. Il y a certainement des individus louches. C'est un truc que tu tires à la main et ça tourne. Allez, un petit moulin. Entrer. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas ce que t'as dit là. Eh, du balai les moutards, faut avoir 21 ans. Écarte-toi citoyen, c'est moi, Capitaine Diabète. Je dois m'adresser aux demoiselles à l'intérieur. Tire-toi de là avant que je te jette dehors. Que faire? Eh les mômes, vous allez déguerpir, oui. Si vous voulez discuter, faites-le dehors. Que faire, que faire? Je vous ai dit de filer d'ici. Que faire, que faire? Eh, il y a des tétons à tomber par terre là-bas et vous êtes trop jeune pour voir ça, alors cassez-vous. Les moins de 21 ans n'ont pas le droit de voir ces nénés, compris? Tirez-vous. Écoutez, tout le monde sait qu'il est physiquement impossible de franchir une corde en velours rouge, alors foutez le camp. Ah, attends, comment je peux faire? Pour franchir la corde. J'ai pas de pouvoir en plus, je peux rien faire là. T'as une idée toi? Capitaine Diabète t'a dit d'arrêter. D'accord, vous l'avez cherché. Ah, faut juste le faire chier. Pas de nichon pour toi. Attends, je me suis fait éjecter là. On peut pas forcer l'entrée à Colis. Sur ce coup-là, il va falloir utiliser notre cerveau, pas nos biscottos. Attends, je dois repasser par le même endroit, vous pensez? Il doit y avoir un autre chemin quelque part. Là, il y a une trappe, là. Là. Beau travail de détective, acolyte. Il ne reste qu'à trouver le moyen de monter. Par ici, acolyte. Je crois que j'ai une idée. Non, bien sûr. Écarte-toi, acolyte. Et boum. Et pourquoi il veut ça Ça m'intrigue, pourquoi il veut ça Nasser sur son live? Après toi. Oh là là. Et petit caca. Let's go. Et boum. Waouh, un tas de composants là-dedans. Tu peux bricoler tout plein de trucs avec ces composants. Ok, je peux bricoler tout un truc avec ce composant. Attends, il m'a... Ah non, j'ai pas de recette. Oula. Bon, on a réussi à rentrer dans le club de trucs. Waouh, ces filles sont vraiment... agiles. Je regarde s'il n'y a pas des PNJ, enfin des mecs que je connais.
est... Il y a le père de Kenny là, tu vois. Il y a le père des Butters. Le père de Kenny là. Le père des Butters. Sérieux, les mioches, dégagez, je suis occupé là. Est-ce que je connais quelqu'un? Ah, il y a Jimbo et je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, et hey, t'as déjà écouté mon CD. Comme DJ, je suis nettement meilleur que ce connard. J'ai de nouveaux produits. Ok, il faut que je lui achète son CD à lui. Ouais, que t'as du goût, toi. Voilà, je l'ai acheté. Maintenant, fais une photo maintenant. T'as déjà écouté ce CD? Y'a de bons trucs dessus, allez on y va. Voilà. Youpi. Youpi. Pas pour mon âge tout ça. Aïe aïe aïe. Joli. Oh, objet clé. Ok, moyen que je alcoolise quelqu'un. Ah, est-ce qu'il y a un yao, je sais pas quoi, les gars, est-ce que vous en voyez un? Est-ce qu'il y a un yaoi? J'en vois pas en tout cas. Non, j'en vois pas. Bon. Hey, t'es pas un peu jeune pour être ici? Trouve une tripsa à amener. Ok, il faut en amener. La garderie est derrière le bar. Donc, il n'y en a aucune qui veut quoi. Bien quand t'auras 21 ans, je te laisserai lécher mes implants. Parler à Capitaine Diabète. Et y a un truc au-dessus, je crois, qui se casse. Oula. N'oublie pas de jouer le jeu. Hey, vous deux, vous voulez faire la fête, les filles? Alors, c'est ton amie, hein? Elle est trop bonne. Hein. Tout à fait. Vous avez pas envie de la prendre en VIP? Je sais pas, elle est un peu petite. Mais j'aime bien les petites. Toi, tu prends celle avec le défaut de prononciation. Allez, allons nous faire quelques déranchés. Je me disais qu'on pourrait entrer et discuter un peu. Ouais, d'abord, on veut du spectacle et après, on cause. Ah, ah. Alors, messieurs, ça vous est déjà arrivé d'inviter une fille avec un tatouage de pénis? Eh, hey, on n'est pas venu là pour causer, Boulette. Ouais, pas question de parler avant que t'aies fini de te frotter. Ah, d'accord. Très bien, acolyte. Tu sais ce que ça veut dire? Lap dance mini game. Let's go, les guys. N'oublie pas d'emporter une serviette. Oh non! Oh, un fait. Oh, oh merde! Oh, ça c'est un vrai cul amour. Mon Dieu, toute la salle VIP pue maintenant. Allez là! Bordel! Ok! Oh, c'était quoi ça? C'est un bon pi, mec! Oh non! Voilà! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, je vais gerber! Tu vas gerber? Bah tant pis! Toute la salle VIP plus maintenant. Oh, regarde pas Jordi. Y'a rien les gars, il se passe rien. Oh, il se passe rien, tout va bien. Putain. Non, non, arrête, discutons. Et voilà les mecs, comment on fait un lap dance. Je vous attendrai un jour. Discute. Oh non. Alors vous faites quoi comme boulot les mecs? Et vous avez déjà invité une fille qui a un tatouage de pénis? Pourquoi t'arrêtes pas de parler d'une stripteaseuse avec un tatouage de pénis? Ouais, Classy c'est son nom. Elle s'appelle Classy? Ouais, Classy avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli CUL. Mais bien sûr, d'où le tatouage? On tient son nom le nouveau. Allez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le VIP le plus nul que j'ai jamais vu. Tout ce que j'ai fait c'est me faire péter dessus. Toi tu vas nulle part. Ah, je ne suis pas une stripteaseuse ordinaire, je suis Capitaine Gabette. Quoi? Mon acolyte et moi, on s'est servi de notre pouvoir de camouflage pour vous soutirer des informations. T'en tireras pas comme ça, Capitaine Gabette. On se démordit les mecs. Merde, j'ai à 2 à l'heure avec cette trique. Tout ce que j'ai fait, c'est me faire péter dessus. Alors, toi là, réglons nos comptes.
Je vais appeler la répression des fraudes et leur dire que tu m'as filé qu'une demi-molle. Ah! La culotte, ce vilain! Eh bien, la zic! Je veux aller dans un de ces pays communistes où on peut avoir des trucs subventionnés par l'État. Ouais! Allez, boum! Danser? Quelqu'un veut danser? Casse-toi, pervers! Ah, ces empires ne sont pas de taille contre nous! Ils sont nuls, hein! Thaïlande, je me suis fait refiler la trique par une fille qui avait aussi la trique! C'est la dernière fois que je paye pour une stripteaseuse premium à 20$! 20$ près de le premium, c'est pas cher! Hein. Ah, écrase-la, écroute! On a beaucoup mieux pour 5$ en Thaïlande! Ha. Oh, ça a dû faire mal! Rendez-vous sur le pam, pam. Allez, plus qu'un coup! Eh, hey, tu es dispo! Ça me plaît, acolyte! Et voilà les mecs, comment on fait! C'est comme ça qu'on fait! Voyez le directeur, adieu! Beau travail, les nouveaux! Maintenant, regagnons le niveau principal! Ok les gars, j'espère que vous passez une bonne soirée. N'oubliez pas le pourboire aux serveuses et pensez aussi à payer un verre au DJ. Maintenant, on accueille chaleureusement sur scène un petit bout de paradis. Classy. Esmeralda. Ah non, c'est pas Classy, c'est Esmeralda. Le DJ appelle les filles, puis elles arrivent directement dès lors. Le nouveau, j'ai besoin que tu trouves un moyen de distraire ce DJ. Je sais, le gin tonic, ça fait toujours... Et j'en ai un en plus. Si on réussit à en faire un super corset, il va tomber dans les pommes. Va préparer ça, acolyte. J'en ai en plus. Attends, je peux en créer un. Ah, il me manque quoi? De la pisse et, et des merdes? What the fuck? Tout le monde connaît son berlingot, voici. Eh, ça a l'air d'un truc qu'on pourrait mettre dans un verre. Ok. Il faudrait peut-être un peu plus de puissance de feu. Mais comment je fais? Tu vas devoir faire tomber toutes les tasers. L2 utilise pour trouver un objet explosif et appuyer sur carré. Waouh! Ça a l'air plutôt dangereux. Wow, ah, je peux envoyer mon pays, ok. Efficace, acolyte. On approche, acolyte. Poutre et crotte de nez. Un azur idéal à notre préparation. Bizarre, mais ok. Y'a sûrement un truc dégueu à mettre dans le verre du DJ par ici. Ok, déjà, faire ça. Antidote. Hop. Excellent travail, Trudy. Hop. Comment je monte là-haut? Ok. Crotte de rat, parfait. On a tout pour. Magnifique. Je me demande qu'il ne faut pas autre chose. Tu crois que c'est assez dégueu pour mettre le DJ hors service? Seigneur! Oh mon dieu! D'épée! Désolé de t'avoir infligé ça, acolyte, mais il n'y a rien que je déteste autant que l'épée! Ça réveille la rage enfouie tout au fond de moi! J'aurais préféré que ce ne soit pas d'épée, mais ça va assommer le DJ assez longtemps pour qu'on trouve Classy! Le rat! Et c'est bon, les mecs! Bien les mecs, on a un cadeau pour vous ce soir sur la scène principale, alors applaudissements pour Destiny! Super! Quelqu'un a enfin payé un verre au DJ, c'est sympa! Oh, ça fait du bien, le DJ vous remercie! Oh, oh c'est pas vrai! Ça niveau goût, ça va être horrible, hein! Les gars, je reviens, n'oubliez pas le pourboire des serveuses! Bon travail, nouveau! Waouh! Ok, les gars, tapez dans vos mains, pensez au pourboire de vos servantes serveuses! Ça promet d'être son sur la scène principale! Je vous demande d'accueillir Classy! Ah. C'est ça les mecs, encore avant là, c'est Classy avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli cul. Applaudissez bien fort, Classy. Hey, qu'est-ce que t'as à m'appeler là? Je suis pas encore sur scène. Attends un peu, t'es pas le DJ. C'est sûrement elle, le nouveau. 22
Là, les flics. Vivons là. Allez, vite. Vite. Vite, mais je fouille avant. Hé, passez par là, acolyte. Par là, tu veux dire? Ok, j'arrive, c'est bon, c'est bon. Ils en ont après moi, les filles, stoppez-les. Voilà, quoi sur le ventre, la meuf à droite, là-bas? Personne n'est autorisé à entrer ici. Ouais, allez chier. Écartez-vous, mesdemoiselles. Capitaine Gamet et son acolyte doivent interroger cette strictine. C'est elle que vous cherchez. Faudra d'abord vous débarrasser de nous. On vous attend de pied ferme. Ok, votre DJ revient des toilettes et il semblerait que... C'est parti! Les deux trous du cul qui ont pété dans mon verre vont se faire défoncer la tronche par les charmantes filles de notre établissement. On s'est menti! Alors... Boum! One shot! Faites du bruit pour Paris! Oulala, Paris, tout est dit! Continue vers la sortie, acolyte! Les petits sériens face au pouvoir du diabète! Boum! One shot! La température vient de monter, on dirait. Oh oui, voilà Esmeralda! Il faut rejoindre Clavy avant d'être écrasé par cette horde de stripteaseuses! Oh non, je vais pas me laisser embarquer dans ces conneries de combat! Elle s'échappe! Tu ferais mieux d'atteindre l'autre côté de la pièce aussi vite que tes petites jambes peuvent t'y conduire. J'espère que t'as des attaques rapides. Mickey. Monsieur Kank, là, si on s'en occupe. Waouh, toi, laisse mon acolyte tranquille. Personne n'est à la hauteur de mon acolyte. Attends. Et je peux pas avancer plus vite. J'ai pas l'attaque qui font avancer plus vite. On a la merde, là. Des applaudissements pour Blaze qui nous arrive de son travail de jour. On pourrait baisser la lumière. On peut pas la laisser filer, acolyte. Hé, hey, pétasse, protège mon cul. T'as la poussée. J'ai pas pourri ma manucure. Y'a pas de raison que ça tourne en villa. Attention, mesdames. Je vais te faire un procès. Ah, lui, c'est bien, il avance. Il avance. Il faut qu'on empêche ces mini-flics d'attraper Classy. Chopez-les. Ah ouais, prends ça, petite enflure. Fais de la purée, acolyte. T'inquiète pas, mon pote. Ça dégage la racaille. Elle est capable d'écraser une pastèque contre ses cuisses, c'est Anastasia. Continue à avancer vers Clafi. Putain, les meufs. Et si elle peut me pousser vers la droite? Arrêtez-les. Ah non, elle me pousse, quoi qu'il arrive, ok. Recule, vas-y, toi, la relou, là. Montez vite. Ok, les gars, retenez bien le nom de cette fille, parce qu'elle va vous trouer le cul, voici Rhonda. Traverse le couloir. C'était pas une bonne idée de s'en prendre à nous. Va me pousser. Putain, merde, il respire encore. Tu vas souffrir. Attention à notre prochaine danseuse, les mecs, c'est une vraie tigresse du... Elle a quoi sur le ventre à gauche, les mecs, elle, ça fait pas très beau. Je dirais qu'elle a... Tu vas leur péter la gueule à ces flics, ouais. Elle a un caca coincé dans le ventre. Bravo Rhonda, ton trou du cul a été touché par la grâce. Je vais la retenir, acolyte. Tu vas la retenir, tu vas rien faire du tout, mon frère. Wow. En vrai, j'ai ça. Attends. Oh, pas mal. Attends. Et boum! On oublie jamais sa première stripteaseuse! Oh, vous allez voir, espèce d'enfoiré! Chope les bouteilles! Écoutez bien, vous tous! C'est quoi, vous bouteilles? C'est impressionnant de créatures. Oh putain, c'est quoi ça? Du sadomaso, l'incarnation de la dominatrice! C'est Spontaneous Bouteille! Hé, trésor, t'es pas prêt pour bouteille! Spontaneous Bouteille! Je vais t'écraser entre mes deux fesses! Vas-y, fais-toi plaisir!
Evite Spontaneous Booté. Ok, quand cette jauge est remplie, Spontaneous Booté interrompt le tour en cours pour attaquer immédiatement. Je préfère vous avertir, ce cul est fatal. Et bouge là, toi. Écrase. Mais prends qu'elle s'en remettra. Ne répète pas au Kun que j'ai dit ça. Pour classique. Allez, vous êtes trop lourd un peu, non? Vas-y, laisse tranquille toi. Si tu te casses maintenant, tu pourras peut-être survivre pour te la raconter. On est vraiment désolé d'avoir dû recourir à la violence, les filles. Boum. Bonne nuit. Qui veut une lap dance? Désolé mesdames, mais on a une urgence. C'est sur le camp des filles. C'est parti. Merde. Non. Viens là, mon mignon. Il y a un timer en plus. Ouh. Des plis. Vous n'avez aucune chance contre un cul de cette taille. Et une beauté au tapis. Eh merde, je voulais pas faire ça moi. Mais je trompe de touche. C'est pour mon propre bien. Le diabète a toujours le dernier mot. Désolé mon cœur. Ultime prêt. Prenne pas, me voilà. Bon, ça va aller loin encore, bouté là. Espèce de flicaillot, vous allez finir au paradis du Dèche. Plac. Hey, vous avez vu ça? Ah, vous ne m'aurez jamais vivante. On peut pas la laisser filer, la colite. On a gagné, les gars. Let's go. Eh ben, quelle aventure. Hé, hey, laisse-moi entrer, enfoiré, y'a les flics. Quoi? Allez, entre. Allez, dégagez. Et croyez pas que j'ai peur d'utiliser ce machin. Bah. Et boum, le bouffon. Allez, le nouveau. Dans le resto. Ok, on comment je... juste à soulever ce panneau. Comment je passe du coup sous le panneau, t'es bien rend toi. Écarte-toi, acolyte. Je vais invoquer la fureur du diabète. Et boum. Ah, il n'y arrive pas là. Hein. Et même la fureur du diabète n'arrive pas sous ce panneau. Putain, j'en peux plus. Il me faut mon insuline. Bon, il me faut mon... Oh non. Bon Dieu, je suis à court d'insuline. Il faut que tu m'aides. C'est plus une pomme, mais je n'ai plus d'insuline. Je vais faire un somme diabétique. Je meurs. Oh mon Dieu. Maman. Maman. Je meurs, pitié. S'il vous plaît. Oh adieu. Tiens, pour te réconforter. C'est cool, j'ai une nouvelle. Ça se passe comment de l'autre côté, les gars? Oh, c'est bien, pas mal, pas mal. Tout va bien pour vous? Super. Tenez-moi au jus. Pas très bien, mais je vois pas. Tu sais ce qui rend mes paix aussi pourries? Le Tex-Mex fait maison. 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 Attends, je dois créer une. Et pas n'importe quel Tex-Mex maison. Il faut que ce soit très spécial. Je peux le crafter ou pas? Tu sais ce qu'il te reste à faire, le nouveau. Appuie sur croix pour manger l'ancherito. Maintiens L2 et R2. Je suis vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Ah!